Voilà, chers amis internautes, nous sommes toujours au caveau du Père Laval et j'ai eu la chance de rencontrer trois touristes allemands qui sont en vacances actuellement à l'île Maurice et qui sont venus au tombeau du Père Laval grâce à Hensley de Vacances et Pèlerinage. Donc Hensley et bonsoir. Donc tu peux t'introduire pour nous dire vraiment comment se passe la soirée. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir après 2 ans de retrouver cette foule ici à Saint-Croix avec une émotion, un deuil de mes rêves. Justement avec Vacances et Pèlerinage, nous avons Jacqueline, Cara et Max qui sont pour la première fois, qui se viennent d'un peu et qu'on va écouter avec plaisir, qu'on dit quelques mots, quelles sont leurs impressions, ce qu'ils vivent ce soir. Et il y a beaucoup madame qui aussi, qui vit cette histoire-là d'être au caveau du Père Laval pour la première fois. Oui, en fait, je suis la première fois ici sur Maurice et j'ai l'impression que ça fait du bien d'être ensemble après la période du Covid où c'était pas permis d'être ensemble avec tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde est très gentil avec cette belle expérience de voir plusieurs religions ensemble. What's your feeling to be there for the first time? Bon Dieu, Papa. Reviens-nous vers l'avant comme un modèle. Un modèle de fidélité à ta grâce, de fidélité à ton service. Accorde à chacun d'entre nous, donne les yeux ouverts comme des témoins de ton Fils, qui lui est le bon pasteur. Thank you. Voilà, chers amis internautes, vous avez entendu nos amis allemands qui sont venus nous visiter. Thank you, ladies and gentlemen. Et on espère donc vous revoir très bientôt. Donc, restez connectés sur la page Père Laval 2.0 pour d'autres lives. À très bientôt. Avec le pain et le vin, le travail accompli durant une retraite sont portés par 5 fiancés qui actuellement suivent les sessions du CPM à la paroisse Notre-Dame de la Visitation. Pour qu'à l'exemple du Père Laval, ils apprennent à construire ensemble leur couple et à aimer Dieu. Et leur prochain.